soyons justiciers. Pyjamas, 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 pyjamas. Car la nuit, on poursuit les petits bandits. J'ai pas vraiment pi. Pyjamas, 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 pyjamas. Glu-Glu est le rayon bébéficateur. Ouais. Bon, à mon tour. Wow, hey Bep. Écoute les plus grands comme Sacha et moi avant de te lancer. Pour réussir cette figure, il faut... Allez vite, hyper, hyper vite. Tu peux me croire, je l'ai faite au moins un milliard de fois. Non, non, il faut surtout sauter très haut en l'air. Oh. Un coup c'est la vitesse, un coup c'est la hauteur. Tant pis, je vais le faire à ma façon. C'est parti. Lance à la vitesse. C'est pas mal. Ça va, j'ai compris, je suis pas un bébé. Bien joué, Greg. Youhou, vous avez vu ça? J'ai réussi du premier coup. Pas mal, pour un petit débutant. Vous verrez, un jour, je saurai faire les figures les plus cool. Et là, c'est moi qui vous donnerai des conseils. Wow. Salut, Cameron. Oh, regardez-moi. Fa vroom 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 vroom. Pourquoi il parle comme un bébé? Oh, il y a un truc qui tourne pas rond. Ils se prennent tous pour des tout-petits. Même le maître d'école. Ouais. Allez, hi da da. Cameron, quel âge tu as déjà? Je suis grand comme ça. Je rêve. Il se prend pour un enfant de 2 ans. Mais qu'est-ce qui peut bien leur arriver? À nous de le découvrir. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos 3 héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuit. Amaya devient... Bibou! Greg devient... Glu-Glu! Sacha devient... Yo-Yo! Forcément, c'est sa faute. Alerte aux intrus. Robot neutralisé. Non, je vais plutôt leur faire voir mon plan le plus génial. Wow, qu'est-ce que c'est que ce bidule? Je vous présente ma dernière invention, le rayon bébéficateur. Alors, c'est à cause de ça que les gens se prennent pour des bébés? Tu as tout compris. Je vais l'utiliser sur tout le monde et je les ferai jouer à Jacadi. Comme ça, tous les petits m'obéiront au doigt et à l'œil. Je vous tiens, maître. Ça va, je suis assez grand. On ne va pas te laisser faire, Roméo. Ah bon? Eh bien, essayez toujours de m'arrêter, les Pyjaminus. Robot, empêche-les de s'enfuir. À vos ordres. Et une de plus. Comme il est mimi le bébé Zozio. Oh non, Bibou, est-ce que ça va? Oui, Bibou gros popo. Ne restons pas là. Ça sera toi le prochain Pyjamini qui va devenir petit. Je rêve où tu viens de nous traiter de mini. Ça se passera pas comme ça. Yo-yo, rapido. Oups. Non, lâche-moi. Miaou. Chaton. Par mes écailles. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, Roméo. Mais c'est déjà moi qui tire les ficelles. Regarde un peu ce que je fais. Tu vas voir. Et les enfants, vous avez envie de jouer? Oui. Super. Le jeu s'appelle Roméo a dit. Roméo a dit, attrapez-moi ce lézard gluant. Tout de suite. Arrêtez.
rigoler. On joue, on joue. Alors, jouons à cache-cache. Glu-glu, reptile au camouflage. Glu-glu. Glu-glu. Où est passé cuisse de grenouille? Je suis là, Roméo. Et puisque tu veux jouer, on va faire la course. Le premier qui attrape ton labo a gagné. Glu-glu, méga muscle. Non. Pas mon labo. Je vais me venger, espèce de demi-portion. Parce que tu vas devenir une mini-mini portion quand je t'aurai bébéifié toi aussi. Aïe, je t'ai trouvé, Glu-glu. Allez, la récré est terminée. Attachez votre ceinture, on rentre au QG. Je ne peux pas y aller. Moi, j'ai besoin d'aller au petit coin. C'est ça que Roméo appelle son plus grand plan de tous les temps. Plus vite, plus vite, c'est quand qu'on arrive. Quoi, ce machin truc? Hey, qu'est-ce que je vous ai dit? Surtout ne touchez à rien. Youpi, hein? Ouais. Et arrêtez de grimper partout. Oh, voyons les copains, vous êtes des super-héros, pas des enfants de 2 ans. C'est 3 ans. 1, 2, 3. Et moi j'ai soif. Très 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 soif. Je veux du lait. Oh. Tiens, Yo-Yo. Maintenant, soyez sage, d'accord? Il faut que je me débrouille pour arrêter Roméo. Oh, et tout seul en plus. C'est pas fait exprès. Hé! Hey, c'est pas bien de dessiner sur les murs. Ouais. Et toi, tu vas descendre de là tout de suite. Glu-glu, main collante. Soyez sage 5 minutes. Ça va, ça va, ne pleurez pas. Vous voulez qu'on rejoue à cache-cache? Ouais. Une fois que mon rayon bébéficateur sera réparé, c'est le tétard qui sera le prochain visé. Oh, oh. Non, non, mon chaton, pas les pattes, compris? C'est l'alarme du QG. Oh, oh. Roméo ne va pas tarder. Si je me fais bébéifier, alors il n'y aura vraiment plus personne pour l'arrêter. Hein? J'ai une idée. Qui veut jouer au super-héros? Moi aussi. Alors c'est parti. T'inquiète pas, tu vas y arriver. Vas-y, bat des ailes, comme ça. Essaie encore. Maintenant, bat des ailes très fort pour faire Super Bibou Tornado. Super Zibou Tornado. Youhou. Ouais. Ah, ils grandissent tellement vite. Doucement, doucement. À mon tour, à mon tour. Vas-y, tu cours à toute vitesse et tu dis Yo-Yo Rapido. Et zou. Yo-Yo Rapido. Et zou. Wow. C'est très bien, mais ça marche aussi même si tu ne dis pas et zou. C'est trop rigolo. Et zou. Et maintenant, vous faites votre pose super-héros. Yeah. Il y a encore du travail. Vous vous rappelez? Roméo, c'est le méchant. Et nous, on doit l'empêcher de faire du mal, compris? Tiens, tiens, comment on se retrouve? Une fois que j'aurai ajouté le dernier pyjaminus à mon armée de bébés, plus personne ne se dressera sur mon chemin. Non, non, je ne suis pas seule. T'es sérieux? Tu comptes vraiment sur eux? Hé, hey, c'est pas le moment de dormir! C'est l'heure de jouer aux super-héros! Glu-glu, tu peux nous raconter une histoire? Profitons-en! Robo, attrape-le! Non! Lâche-moi! Arrête de gigoter! Hé! Hey, laisse notre copain tranquille! Yo-Yo, rapido! Et... Prends ça! Vilain méchant pas gentil! Hein?
l'avez bébéifié. Mon pauvre petit robot. Ouais, on fait joujou, Roméo. Non, pas maintenant, j'ai du travail. Alors repose-moi immédiatement. Waouh, je vois que vous n'avez pas oublié ce que je vous ai appris, mes petits héros. Super héros. Robot vouloir jouer avec Grosse Machine. Non, ne touche à rien. Arrête, robot, arrête. Une longue histoire. Vous vous rappelez vos prénoms? Yo-Yo, si j'ai pas changé. Et moi, c'est Bibou. Mmh, vous avez gagné une bataille, mais pas la guerre, Pyjamasque! Maître, attendez-moi! Pyjamasque, on crie hurrah! Car cette nuit, on a réglé les tracas! Bibou et l'éclipse lunaire. Quoi? Ha! Ya! La prochaine fois, c'est moi qui vous aurai, les pigeons à casse-pieds. Ninjaka ne refera pas ce coup-là de sitôt. Wow, c'est la pleine lune ce soir. Attends de la voir demain. Il va se passer un truc super rare. J'ai lu ça dans un livre. Ha! Tu t'intéresses à la lune maintenant? Un conseil, occupe-toi plutôt de tes plumes. Sorceline, qu'est-ce que tu mijotes? J'écoute Mademoiselle Je sais tout faire son intéressante avec son blabla. Je sais plein de choses sur la lune. Ah oui? Pourtant c'est moi qui ai des pouvoirs lunaires. Oh! Apprends à piloter. La lune, c'est mon affaire. Elle continue à se moquer de moi. Pourtant j'en sais des choses. Du coup, tu peux nous dire ce qui va arriver demain? Une éclipse. La lune va disparaître. Comment ça, disparaître? Le soleil éclaire la lune. Quand la Terre se met entre les deux, la lune se retrouve dans l'ombre. C'est et... ça, une éclipse? Cool. Très cool. Oh. Des papy-nuits? Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ils s'intéressent à l'éclipse. Peut-être que Sorceline les a envoyés pour nous dire quelque chose. En tout cas, ce sera sans eux. S'il y a un problème d'éclipse, je m'en occupe. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Greg devient... Blibli. Sacha devient... Yo-Yo. Les pyjamas. L'éclipse a commencé. Et voilà Sorceline. Elle a du mal à voler. C'est ça que les papy nuits voulaient nous dire. Tous à l'astro-hibou. La lune brille moins qu'avant. C'est pour ça que Sorceline vole de travers. Quand la lune perd ses pouvoirs... Je perds mes pouvoirs aussi. Il faut vraiment tout expliquer. Mais j'allais le dire, je... Mon aérolune me lâche. Mon aimant lune ne marche plus. C'était le message des papy nuits. Que j'ai besoin de vous. De nous? Commence par me laisser parler, on verra après. Sois sympa, Bibou. On ne peut pas lui en vouloir de s'énerver. Perdre ses pouvoirs, c'est vraiment pas drôle. Je comprends, mais... On peut pas aider un méchant sans avoir une bonne raison. Oh, tu veux une bonne raison? La voilà. Tu ne pourras pas m'échapper, Sorceline. Ton aimant et ton aérolune, tu peux leur dire adieu. Roméo veut te voler tes gadgets? Mais pourquoi s'ils ont perdu leur pouvoir? Parce que leurs pouvoirs reviendront juste après l'éclipse, Crâne de Piaf. Et il va s'en servir pour un plan diabolique. Crâne de Piaf? C'est pas le moment de se chamailler. Roméo, maître de la lune, ce serait terrible. Il faut qu'on fasse équipe pour... Arrêtez le bras télescopique de robot!
tu appelles donner un coup de main. Attention! Fais demi-tour! Ça irait mieux avec moi aux commandes. Roméo, ça te dit une partie de cache-cache dans les nuages? De Piaf, ça m'est bien sorti, non? Moi. Oh. Allez, arrêtez de vous disputer. C'est elle qui a commencé. On ferait mieux de s'occuper du plan de Roméo. Bon, c'est quoi ce plan? Aucune idée. Les papinuis ont juste entendu qu'il appelait ça Opération Croustilune. Croustilune? On dirait un truc qui se mange. De toute façon, on ne craint rien. Je l'ai bien eu avec le coup du nuage. Oh! Tu parles. C'est Roméo qui t'a bien eu. Et comment? Grâce à mon détecteur tout-terrain. Tu croyais peut-être m'avoir semé, mais en fait, je t'ai suivi à la trace. Protégez l'aimant et l'aérolune. Nous, on se charge de robots. Yo-yo, acrobato! Ça fait mal. Cette fois, c'est moi qui pilote. Pauvre Lune, tu te retrouves dans le noir. Moi, personne ne me fera de l'ombre. Sorceline, on doit rester soudés pour déjouer le plan de Roméo. Sois gentille avec Bibou au lieu de lui voler dans les plumes. Je vais essayer. Bibou, tu dois faire des efforts aussi. Quand on est en mission, on a toujours des trucs difficiles à gérer. Sauf que là, Sorceline, fais ça difficile. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Arrêtez Roméo, c'est ça la priorité. Voilà mon idée. La meilleure défense, c'est l'attaque. Alors finis de fuir, c'est nous qui allons le trouver. Je n'aurais pas dit mieux. Pour lui barrer la route, il faut le repérer. Bien vu. Et pour ça, j'utilise ma Hibou Vision. Non, laisse faire mes papinuis. Mais c'est moi qui ai les meilleurs yeux. Ça, c'est ce que tu crois. Nom d'une plume. Je l'ai localisé. Du côté du musée? Non, de l'autre côté, près de l'école. Et la flèche, tu en fais quoi? Non, Sorceline, arrête. C'est mon astro hibou, c'est moi qui commande. Je te l'avais dit. Oh, il est là. Regarde. Il est à deux endroits en même temps. Attendez, comment est-ce que ça se peut? Alors, les pyjaminus, on voit double. Vous vous êtes fait avoir par mes hologrammes. C'est pour ça que vous l'avez vu à deux endroits différents. Vous aviez toutes les deux raison. Enfin, plutôt toutes les deux tort. Le tien? Non, mais je rêve! Les gadgets sont enfin à moi! Et vous avez vu? La lune commence à réapparaître! Non! Quoi? 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 C'est catastrophique! Roméo a le pouvoir lunaire! Maintenant que j'ai branché les bidules de Sorceline à mon labo, c'est moi qui contrôle la lune! Ma lune! Notre lune à tous. Et tout ça, c'est ma faute. À force de me chamailler bêtement avec toi, je me suis laissée piéger. Ça serait pas arrivé si je ne t'avais pas énervée. Je me suis énervée toute seule. Mais c'est fini maintenant. Venez, on va rattraper le coup tous ensemble. Je la descends avec mon rayon vers le QG pour le réduire en miettes. Je comprends mieux le nom de son plan. On ne va pas le laisser faire. C'est l'heure d'être un vrai héros. Prêt? Hibou, rayon. Hibou, tornado. Oh non.
tout. Tu n'es pas si mauvaise en pilotage, finalement. Merci. Allez, à toi de jouer. Stop! Bats les pattes, sorceline! Hein? Papy Nu, attaque de Gilly! Laissez-moi tranquille! Allez, on tire! À droite, non! À gauche! Par mes oreilles de chat, ces deux-là n'arrêteront jamais! Boule de poil! La lune s'est remise à briller. D'ailleurs, je trouve qu'on a tous brillé cette nuit. Vous ne pensez pas? Ça veut dire que tu as récupéré tes pouvoirs, sorceline? Oui, c'est reparti. En vrai, pour une pige à casse-pieds, t'es quand même une fille plutôt chouette. Toi aussi, sorceline. T'es sympa quand tu nous fais pas de misère. Ça va bientôt revenir, Bibou. À la prochaine, super zozo. Pyjamas, on crie ouah! Cette nuit, on a réglé les tracas. Les garçons, regardez! Grâce à Sorceline, mon télescope est encore plus puissant qu'avant! Elle a mis de la poussière de lune dessus? Oui, j'aurai la plus belle vue à la prochaine éclipse! Moi, je ne suis pas pressée que ça recommence!